Jeune footballeur, tu dois te battre. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne ici. Ici, on conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Vous partagez cette thématique, vous savez ce que vous avez à faire. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'activer la cloche de notification. Pour te battre dans la vie, il suffit d'être discipliné. Pour te battre en tant que footballeur, bien sûr. Ne pas être discipliné, c'est former un ennemi contre toi-même. Parce que la plupart des footballeurs, vous voulez jouer, mais vous n'êtes pas discipliné. La discipline est la règle d'or. Vous devez vous battre tous les jours. Vous devez avoir un gros pourquoi. Pourquoi je suis en train de jouer au football? Sortir ma famille de la misère. Pourquoi je suis en train de travailler? Donc vous devez vous battre. Votre pourquoi doit vous pousser. Chaque fois, quand vous avez envie de relâcher, votre pourquoi doit vous pousser à vous battre, à vous battre, à vous battre encore. Votre pourquoi doit vous permettre d'évoluer tout en étant disciplinant, tout en étant discipliné. Et l'ennemi, bien sûr, de ceux qui ne progressent pas, c'est la discipline. Tout le monde a envie, bien sûr, de s'entraîner tous les jours. Tout le monde a envie de s'entraîner 2 fois par jour. Maintenant, est-ce que tu vas le respecter? Tu es seul, personne ne te dira, va t'entraîner forcément. Maintenant, est-ce que tu vas respecter, bien sûr, ces 2 séances par jour? C'est ça qu'on appelle la discipline. Et beaucoup, beaucoup de footballeurs n'ont pas ça. Ce qui fait que bon, il n'arrive pas à signer le Graal. La discipline voudra dire, même quand tu es fatigué, tu continues de bosser. Tu viens de quitter la séance d'entraînement, tu t'es reposé à peine. Le soir, tu dois aller travailler seul. Tout ça, c'est la discipline. Si vous n'avez pas ça, il n'y a rien pour vous. La différence entre ceux qui évoluent et ceux qui ne voulaient pas, c'est la discipline. La différence entre les moyens et les plus forts, c'est la discipline. Donc la discipline est une règle d'or que chaque footballeur doit respecter. Tu dois te battre tous les jours. Tu dois avoir un pourquoi solide qui doit te permettre de te réveiller à 4 heures du matin et aller courir. Tu dois avoir un pourquoi solide qui doit te permettre de travailler 2 fois par jour. Tu dois avoir un pourquoi solide qui doit te permettre de travailler même les dimanches. Ce n'est que comme ça que tu deviendras un grand footballeur. Si tu penses que, bon, même si je travaille 1 fois, même si je travaille 3 fois par semaine, tu vas devenir un grand footballeur. C'est pas comme ça se passe. Provoquez la chance. Provoquez la chance. Et n'attendez personne. Vous voyez, depuis peu, je suis en train de faire une série de vidéos de motivation pour vous sur la chaîne ici. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de footballeurs qui ont besoin de motivation. Beaucoup de footballeurs ont besoin de motivation. Il ne sert à rien de faire des vidéos. Bon, comment savoir faire des jongles, comment si la tête, elle n'est pas bonne. Si la tête, elle n'est pas tranquille. Tout part de la tête. Si le gars n'est pas motivé, qu'est-ce que tu veux lui apprendre par là? Donc, c'est pourquoi depuis quelques 6 vidéos, bien 8 vidéos, je ne fais que faire des vidéos de motivation. Cela ne veut pas dire que je ne vais plus faire d'autres contenus, c'est-à-dire comment entamer un match, comment rester concentré, c'est-à-dire des sujets comme ça. Ben, à une certaine période, il faut que je varie les choses chaque fois pour vous permettre, bien sûr, de ne pas être saoulé au fait. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Si vous aimez cette vidéo de motivation, faites-le savoir en commentaire. Si vous voulez que je continue, ou bien, bon, si vous voulez l'autre format, proposez-moi des choses. On va grandir ensemble ici. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous. Pour ceux qui ont, bien sûr, envie de prendre des conseils, un seul numéro, plus 229 53 63 87 30. Le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. L'autre opportunité que je partage, c'est bon, l'entretien exclusif avec moi. Et vous voyez, cet entretien, chaque fois, si vous avez envie de faire des entretiens avec moi, je vais vous recevoir durant 30 minutes seulement. Par audio WhatsApp, on va discuter. Ou bien appel WhatsApp, on va discuter. Mais c'est bien. Rejoignez-moi, bien sûr. Mon adresse mail est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp aussi. Un footballeur doit travailler. Le footballeur doit se battre. Et apprends à te battre seul. J'avais déjà fait une vidéo où je l'ai expliqué. De se battre seul. C'est très important. Tu dois te battre tous les jours au quotidien. Matin, midi, soir. Tant que tu n'as pas encore accompli ton rêve, tant que ce que tu veux faire dans la journée, tu n'as pas encore fait, tu ne dois pas aller dormir. Le sommeil, c'est pour les paresseux. Le sommeil, c'est pour les faiblards. Je pense que je vous aurai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Ciao.
Bye.